Stupeur, émotion après la mort d'une enseignante tuée en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Oui, une professeure d'espagnol poignardée par un élève de 16 ans au lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin. Benjamin Péter, vous êtes devant l'établissement. Que s'est-il passé ce matin à 10h dans cette classe de seconde ? Eh bien écoutez, alors que le cours d'espagnol venait donc de débuter, l'un des élèves de cette classe de seconde s'est levé et a planté un couteau qu'il venait de sortir de son sac dans la poitrine de l'enseignante sans prononcer une seule parole. Tout s'est passé en quelques secondes à peine. Dans la stupeur, Inès qui était là a peine eu le temps de réaliser ce qui se passait. On faisait un cours d'espagnol quoi, et d'un coup l'élève a planté le couteau à la professeure. Il s'est levé très naturellement. En fait, quand j'ai levé les yeux, il était debout déjà avec le couteau à la main, donc j'ai pas vu comment vraiment il s'est levé, mais il était tranquille. Pas dire moi. J'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé. Je pensais jamais vivre ça. Alors immédiatement, le collège et le lycée Saint-Thomas d'Aquin est confiné. Paul et Patchy sont restés enfermés 2 heures dans l'angoisse avec leur professeur. On n'avait pas le droit de sortir. Il fallait pas nous inquiéter en tout cas. On n'y croyait pas. Ouais, on savait pas quoi faire. C'était irréel. Certains profs ont pleuré. Elles nous répétaient qu'il fallait pas croire la télé, qu'elle n'était pas encore morte et tout. Parce que vous regardiez sur vos téléphones ou... Oui, et pour nous c'était écrit qu'elle était morte, mais nos professeurs, enfin en tout cas la mienne, ne voulaient pas y croire. En fait, on réalise toujours pas parce que c'est un peu comme Samuel Paty. On n'a pas envie que ça soit vrai un peu. Alors les élèves seront accueillis demain, les cours devraient être banalisés. La journée devrait en fait permettre de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Ils seront notamment entourés par une cellule psychologique qui est déjà en place. Une minute de silence est également prévue à 15h dans tous les établissements du pays. Benjamin Péter en direct de Saint-Jean-de-Luz.